Bon matin à tous, bienvenue encore à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kerry, on est ensemble pour un moment de café peut-être, où vous êtes à la maison, et ensemble pour louer, prier, adorer le Seigneur, et j'aimerais qu'on puisse je vais juste prendre une petite gorgée. J'aimerais que nous puissions déjà démarrer avec un moment de prière, si vous le voulez bien. Alléluia. Seigneur, en cette journée, merci de nous utiliser comme des catalyseurs de ta présence et de ton amour, de ta lumière. Et aide-nous, Seigneur, à être une source d'inspiration pour ceux et celles qui seront en contact avec nous aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous le courage de passer cette journée encore une fois. Et Seigneur, que nous soyons des conducteurs de ton amour durant toute cette journée. Et merci encore une fois pour mes frères et sœurs qui sont là à la maison et qui ont peut-être besoin de ce courage, qui ont peut-être besoin, Seigneur, d'être relevés, édifiés, qui ont peut-être besoin de guérison et Seigneur, de paix. Alors je prie qu'ils reçoivent, qu'elles reçoivent de ta part maintenant au nom de Jésus tout ce que tu as pour eux. Amen et amen. J'aimerais qu'on démarre cette matinale avec un chant magnifique. On l'a fait déjà il n'y a pas longtemps, mais je veux le refaire ce matin. Cet amour qui peut libérer, qui peut transformer tellement un beau chant de Paul Baloche. On y va ensemble. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh 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 oh. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Ensemble! Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Oh, j'ai un merveilleux texte pour vous ce matin. Et le titre, bien, je l'ai tiré d'une phrase que Albert Einstein a dit, « Nous existons pour nos semblables ». Assez impressionnant de Albert Einstein qui ait dit ça. Moi, je découvre cet homme-là, je comprends qu'il ça fait longtemps qu'on parle d'Einstein quand même, mais quand même, je découvre certaines choses qu'il a dites, c'est extraordinaire. On va aller premièrement dans 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 22 et 23. Et ça dit, « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. » Je me suis fait à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Et l'apôtre Paul ici était prêt à renoncer. C'est ça qui est extraordinaire, qui est fabuleux, c'est que l'apôtre Paul était prêt à renoncer à certains privilèges pour être plus près des autres, justement pour le bien-être des autres, je dirais. Et il a agi avec sagesse. Je crois que Paul a agi avec sagesse en appliquant des principes qui ont mené à gagner le cœur de plusieurs personnes. Et Paul se mettait à leur niveau en évitant de donner peut-être l'impression d'être meilleur. Et il s'assurait que ceux avec qui il était se sentent acceptés et que leurs besoins soient rencontrés. Moi, je crois que l'apôtre Paul, c'était ça. C'était lui, ça. Et moi, j'appelle ça aller à la pêche. Aller à la pêche. Parce que vous savez qu'il y a une différence entre la pêche et la chasse. On va à la pêche tranquillement, c'est ça l'évangélisation, on va à la pêche. Mais lorsqu'on va à la chasse, il y a des morceaux partout. C'est ça que je dis souvent. Évidemment, par la suite, Paul trouvait l'occasion de leur parler de Jésus, évidemment. Et il vivait tel que le modèle Jésus. Il vivait comme le modèle Jésus. Jésus, c'était notre modèle. Et il vivait comme Jésus l'avait enseigné. Il vivait pour les autres. Et c'est ça, je crois, la vraie définition du christianisme. Vivre pour les autres. Je crois que c'est la vraie. Il n'y a pas d'autre définition, c'est ça. Et je crois qu'à cause du COVID-19, plusieurs ont remis, je crois, leur pendule à l'heure concernant certains essentiels de la vie. Et lorsqu'on a une vie trop occupée, que nous vivons notre vie chrétienne seulement d'un dimanche à un autre dimanche à 200 km/h, je crois qu'à quelque part, nous perdons quelque chose. Je crois que ce n'est pas étonnant qu'avec le temps, on va mourir de faim spirituellement. Mais ce n'est pas nécessaire d'attendre d'un dimanche à l'autre, et je crois qu'on le découvre maintenant, que plusieurs l'ont découvert, que ce n'est pas nécessaire d'attendre d'un dimanche à l'autre pour rencontrer Dieu. Et heureusement qu'avec ce confinement, nous pouvons, vous et moi, approcher Dieu tous les jours, avoir une rencontre avec Dieu n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure, rentrer dans sa présence à n'importe quel moment. Ceci dit, le fait de passer des meilleurs temps de qualité avec Dieu nous ramène justement à la vraie définition et aux vraies intentions du christianisme. Et ça nous ouvre les yeux également sur une multitude de besoins que nous pouvons rencontrer. Nous pouvons rencontrer une multitude de besoins. Nous pouvons en ce moment rencontrer le besoin de la personne qui vit peut-être de l'anxiété. Nous pouvons rencontrer le besoin de la personne qui vit du découragement, qui manque de nourriture. C'est pour ça que nous avons Action Nouvelle Vie ici au sud de Montréal. Nous pouvons rencontrer le besoin de quelqu'un qui peut-être qui vit une dépression ou qui s'inquiète face à l'avenir. Et moi, je crois qu'il y en a plusieurs. Alors,
J'aime ce que Albert Einstein a dit. Il dit « Nous existons pour nos semblables, en premier lieu pour ceux dont le sourire et le bien-être dépendent de tout notre bonheur, et ensuite pour tous ceux qui nous sont inconnus personnellement et dont le destin nous lie par le lien de sympathie. 100 fois par jour, je me rappelle que ma vie intérieure et extérieure dépend des travaux des autres hommes, vivants et morts, et que je dois m'efforcer de donner dans la même mesure que j'ai reçu et que je reçois encore. » Albert Einstein. Ça, c'est, et il mentionne aussi encore ici un texte. Il dit « Les idéaux qui m'ont éclairé sur mon chemin et à maintes reprises m'ont donné un nouveau courage pour affronter la vie gaiement ont été la vérité, la bonté et la beauté. Sans le sens de la camaraderie que les hommes de même esprit, de souci de l'objectif, de l'éternellement inaccessible dans le domaine de l'art et de la recherche scientifique, la vie m'aurait été vide. » Ça, c'est intéressant, ce que Albert Einstein pouvait penser. Pourquoi pas? Et je ne sais pas vous, mais moi, je reprends les paroles de Einstein ici qui dit que la vie m'aurait été vide. Ou pour ma part, me paraîtrait vide, la vie me paraîtrait vide si je n'avais rien à donner. Moi, je ne serais pas capable. Nous n'avons pas été créés pour vivre notre vie égoïstement centrée sur nous-mêmes. C'est pas comme ça qu'on a été créés. Dieu nous a pas créés comme ça. Dieu nous a créés pour être ensemble. Dieu nous a créés pour qu'on partage ensemble. Et ça fait toute la différence, ça. Plutôt afin de la centrer, notre vie, Dieu nous a créés, je dirais, plutôt pour centrer notre vie pour le bonheur des autres et pour le bien-être des autres. Il y a quand même en ce moment une mobilisation d'entraide chez les hommes, dans la nature humaine, comme jamais. Dieu nous a créés de cette façon-là. Dieu nous a créés comme ça. Que nous soyons chrétiens ou pas, lorsqu'il y a un cri à l'aide, moi je crois que lorsqu'il y a un cri à l'aide, les gens, en grande majorité, se mobilisent pour aider, pour être une source de bénédiction. Et c'est tout à l'honneur de Dieu, ça. Et dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 35, ça dit « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Et aujourd'hui, moi j'aimerais vous dire, restons alertes afin de nous assurer que tous ne manquent de rien. Que tous vont bien. Et j'apprécie vraiment ce que ma fille, j'ai une de mes filles, j'ai deux filles, Vanessa et Mylène, et ma plus grande des filles, Vanessa, qui a 4 enfants, elle fait en ce moment, alors que j'aime ce qu'elle fait, parce qu'en ce moment, sur Facebook, elle passe un message et elle appelle ça sa trousse réconfort. Et elle dit, et elle mentionne justement sur son Facebook, je veux vraiment dire ça, si quelqu'un ne travaille pas, ne reçoit pas de chèque de paix et manque de nourriture, s'il vous plaît, ne dormez pas l'estomac vide, n'ayez pas peur ou ne soyez pas gênés de m'envoyer un message privé, nous avons tous besoin l'un de l'autre, il n'y a pas de honte, vous pouvez venir chercher votre trousse réconfort et partir sans poser de questions. C'est Vanessa, ma fille, qui écrit ça. Elle termine en disant, nous sommes tous dans le même coup, en voulant dire, nous sommes tous ensemble. Et pour une maman de 4 enfants, c'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Elle fait des repas pour des gens qui sont dans le besoin, qui peuvent pas, comme on le dit, peut-être que certains ont perdu leur emploi, ont perdu les capacités de sortir, d'aller faire leur épicerie ou je sais pas, mais elle est là pour eux et pour les bénir et aller leur porter, déposer à leur porte un repas complet, et c'est vraiment, vraiment, je suis vraiment béni de voir ce que
ce qu'elle fait. Et on peut tous faire quelque chose comme ça. On peut tous être disponible pour les gens. On peut tous... on a tous reçu quelque chose, vous m'avez déjà entendu le mentionner, on a tous reçu quelque chose qu'on peut mettre au service de quelqu'un d'autre. Ce matin, j'aimerais encore vous dire que et répéter cette phrase de Albert Einstein, nous existons pour nos semblables, nous existons pour les autres, on existe pour les autres, on est là non pour nous-mêmes, on n'a pas été mis sur cette terre, on est sur cette terre pour partager ensemble et puis s'aimer les uns les autres et surtout dans ce moment de confinement, ce moment de crise, je crois que comme jamais, on a besoin justement de se serrer les coudes ensemble et de partager ensemble et de voir à ce que personne ne souffre et je suis certain que vous êtes d'accord avec ça. C'est pour ça que je dis souvent, n'oubliez pas de nous laisser vos requêtes, vos besoins, vos prières. Nous voulons prier pour vous, vos requêtes de prière. On veut prier pour vous. Alors, j'aimerais qu'on puisse peut-être encore une fois chanter une portion de ce chant-là. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Nous appelle par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh oui, Seigneur, c'est parce que tu vis. C'est parce que tu es là et que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, que nous pouvons continuer. Nous pouvons continuer ensemble parce que tu es ensemble avec nous, Seigneur, dans ce combat. Tu es ensemble avec nous dans cette crise. Tu es ensemble avec nous alors que, Seigneur, que parfois nous sommes découragés. Parfois, nous nous sentons seuls. Seigneur, tu es là. Ton amour est là. Un amour, Seigneur, qui restaure, un amour qui relève, un amour qui libère, un amour qui guérit. Seigneur, nous voulons saisir ton amour ce matin et nous voulons le partager également. Seigneur, cet amour que nous avons reçu, nous voulons le partager. Nous voulons, Seigneur, que d'autres puissent vivre cette dimension d'intimité avec toi. Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur en cette journée et que mes frères et sœurs qui sont connectés maintenant puissent recevoir de toi, Seigneur, Seigneur, au centuple, qu'ils puissent être bénis, comblés, qu'ils reçoivent, Seigneur, la paix, qu'ils reçoivent ta grâce maintenant. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, saisir cette dimension d'amour, ton amour qui ne les quitte pas, ton amour, Seigneur, qui ne relâche pas. Ton amour, Seigneur, qui persiste à être là.
parce que tu nous aimes comme la prunelle de ton œil, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que chacun, chacune reçoive, au nom de Jésus, maintenant. Alléluia. Que Dieu vous donne de vivre une excellente journée dans sa présence. Et n'oubliez pas de vous connecter à hashtag onestensemble.live aujourd'hui avec des invités spéciaux, souvent Pasteur Éric Sellerier, Luc Dumont, et d'autres chroniqueurs, chroniqueuses sont là pour vous servir et vous bénir. Et n'hésitez pas, connectez-vous. Hashtag onestensemble.live et invitez des amis. Invitez des amis également à vous connecter à ces moments simples, de simplicité, de prière le matin avec moi sur la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry et afin qu'on puisse s'encourager et vivre des moments encore bénis dans sa présence. S'il n'est pas là, s'il n'était pas là, où serions-nous ce matin? On est tellement bénis de le connaître. Alors que Dieu vous bénisse. Prenez un bon café, encore une fois, et on se revoit demain matin. Bye bye. Que Dieu vous garde. Bye.